Et c'est tout le monde, c'est Geekgamer. Donc, on se retrouve pour le premier épisode. Donc, comment monter sa Drago d'Inde. Voilà. Donc, comment monter sa Drago d'Inde. Sachant que mon sacrayeur n'est pas encore level 60, mais je pense dans maximum 3 jours il sera level 60. Je tournerai donc le deuxième épisode dans 2 ou 3 jours quand mon sacrayeur sera level 60. Donc, pour pouvoir monter la Drago d'Inde. Mais en attendant, donc, on va s'occuper du commencement et tout. Donc acheter la Drago d'Inde et tout et tout. Et puis de toute façon, il faudra augmenter sa barre de maturité et tout. D'ici là, je serai déjà level 60. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, Drago d'Inde, 9000 kama. Franchement, c'est pas du tout cher. Bon, elle est que niveau 1, d'accord? Que niveau 1, mais elle est même pas montable. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein, parce qu'après, là, il y a 38 000 kama. Faut voir après le prix et tout. Hein. Mais bon, franchement, 30 000 km, c'est exactement le même. Donc là, on va prendre une indigo. Hop, donc c'est. Tu t'affiches de la monture. Donc là, voilà, expérience 0 sur 600. Hop, c'est. Tout pareil, voilà. Donc là, c'est mieux. On va prendre celle-là, je pense. Donc. C'était celle-là, je crois. Voilà, celle-là. On va l'acheter. Voilà. Bon, j'ai pas trop de kamas parce qu'en fait j'ai tout dépensé. Donc si vous avez vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Sur le stuff, donc. Sur le stuff. Le stuff de mon sacré-cœur, voilà. Alors là, on va aller à l'HDV des documents. Pour aller voir, donc un peu, vu que j'ai pas de guilde et tout là. Enfin, voilà, c'est assez chiant. Donc là, on va aller. Donc, normalement, de tous les côtés, il y a des enclos publics. Normalement, ils sont publics. Non, pas là, mais normalement, ils sont publics au-dessus, je crois, du document. Centre-ville, là. Là, ils sont privés. Il me semblait qu'il y en avait des publics. Attendez voir. Il me semblait vraiment qu'il y en avait des publics. Enclos abandonné. Comment ça abandonné? Bon, on s'en fout tant qu'il marche. Ah ouais, ok, il faut appartenir à une guilde quand même. Ouais, bon. J'avais regardé pourtant qu'il y avait des enclos là. J'ai regardé sur internet. Et bon, au pire. Au pire, je rechercherai sur internet, ça pose pas de problème. Ah, mais. Ah, ici peut-être. Au privé, mais peut-être qu'en dessous, là. Peut-être qu'en dessous, c'est là. C'est peut-être. Non, en clos privé, à mon avis, ça doit être tout privé ici. Du coup, il vaut mieux remonter. On va mieux remonter. Voilà, ici. Et en vente, hein. Ouais, assez cher quand même. Hein. Bon, je reviens tout de suite. Je vais voir juste l'emplacement. Donc, des enclos publics. Je reviens tout de suite. Et voilà, donc en fait, pas besoin de chercher beaucoup. J'ai pas trop vu. Il y en a plein là. Il y en a 6. Juste autour de. L'HDV des animaux, donc l'hôtel de vente des animaux. Enclos public, on va voir. Ça, c'est pour faire quoi? Abreuvoir. L'abreuvoir, c'est pas tout de suite, je crois. Non, c'est pas tout de suite, je crois, là. Voilà. Après, ici. Donc là, caresseur en plume de tofu maléfique. Pour augmenter la maturité, je crois que c'est les caresseurs, je crois. Dites-moi dans les commentaires donc si je me suis trompé, mais normalement c'est ça. Je cherche juste où est l'entrée. Je sais, je suis pas très malin. Hop. Donc. Hop, on va voir celle-là. Voilà, Drago d'Inde indigo, maturité. Hop. Élevé, donc c'est là
Normalement, ça va lui faire augmenter l'amour et la maturité, ça viendra plus tard, je crois. Voilà. Donc, pour l'instant, elle a aucun effet et tout. Voilà. Alors, vous la laissez là. Et normalement, voilà. Je vais. Ah, ben ça, c'est la mienne. Anonyme niveau 1. Fidèle mature, voilà. 8196, donc. On verra ça la prochaine fois. Hop. Excusez-moi. On verra ça la prochaine fois. Du coup, là. On se retrouve à la prochaine vidéo, donc. Où normalement je serai level 60 à commencer à créer pour l'XP. Allez.